Je te préviens, ne t'approche plus de moi, ni de Layla, ni d'aucun autre ami de moi. Attendez, je refais. Un baiser. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les secrets d'Henri. Donc voilà, bon, on va aller voir ce qui va se passer. C'est le suspense, voilà, donc let's go du coup. Merci encore pour aujourd'hui. Merci à toi, c'était vraiment une super soirée. Je crois que mon père t'a accepté. On dirait bien que oui. Nos doigts s'entrelacent lorsqu'il s'avance vers moi pour m'embrasser. Oh, c'est tellement mignon. C'est peut-être le bon moment pour lui dire enfin que je l'aime. Il me regarde avec cette intensité qui me fait chavirer à chaque fois. Henri. Oui, Layla. Je crois que j'ai beaucoup progressé aujourd'hui. Dégonflé, il me sourit. Je suis bien content que tu le soulignes. On n'aura pas passé des heures à travailler pour rien. Oui. On se voit lundi alors. Demain, j'ai un emploi du temps assez chargé. Oh, d'accord. Ah oui, c'est vrai, elle n'est pas encore au courant. Pas trop déçu. Si, mais je crois qu'il reste encore 2 ou 3 bagues de glace au chocolat dans le congélateur. Je vais pouvoir noyer ma peine avec dignité. Il m'embrasse une dernière fois, puis il monte dans sa voiture et s'en va. Je suis déjà en manque de lui. Il vient à peine de partir. Pathétique! J'ai passé mon dimanche à réviser. C'était interminable. Jamais je n'ai autant espéré qu'un lundi arrive si vite. Je cours vers l'entrée du lycée et je vois Henri, une fois encore absorbé dans un livre. Mais il a senti ma présence, même de loin, et me sourit en me voyant approcher. Il vient à ma rencontre en prenant soin de ranger son livre, puis prend mon visage entre ses mains pour y poser un baiser. Un baiser des plus sages. Salut ma belle. Oh, t-shirt. Un détail me saute aux yeux. Il est en t-shirt. Enfin. Je pose mes mains sur les miennes, remonte le long de ses avant-bras, puis de ses bras. Je peux enfin toucher une autre partie de son corps. C'est comme si le brouhaha ambiant s'était estompé et que nous étions seuls, alors que je continue à toucher sa peau. Il me sourit. Hey, tu pourrais me dire bonjour quand même. Tu es magnifique. Si j'avais su qu'un simple t-shirt ferait un tel effet à ma copine, j'aurais commencé par là. Je pouffe, t'es bête. Il reprend mon visage pour m'embrasser un peu moins sagement, mais en gardant certaines précautions. Je me demande quand Jasmine et Clément ils vont s'avouer qu'ils sont... Voilà quoi, hein? Oh, c'est grand ces bras, mec. C'est quoi ces bras, mec? Je pensais pas que t'étais si balèze. C'est vrai que c'est rare de te voir un peu plus découvert. Je dirais même que c'est la première fois. Je vois Jessica passer non loin de là et nous dévisager le regard mauvais. Il va vraiment falloir qu'Enzo et elle nous lâchent la grappe à un moment ou un autre. Au fait, ce week-end, mes parents ne sont pas là. Je propose qu'on se fasse une session de révision intensive samedi et dimanche. On pourrait s'arrêter le samedi soir pour s'amuser un peu autour d'un bon repas. Je trouve que c'est une super idée. Ça ne m'enchante pas de passer mon week-end à réviser. Mais au moins, je n'aurai pas trop le choix. Hein. Je serai ravie de pouvoir réviser avec vous. Cool! Je vous laisserai apporter les boissons et les desserts.
plus on s'approche du bac, plus les cours s'intensifient. Cette semaine a été épouvante et Leïla a eu quelque peu de mal à tout suivre. J'ai peur que ça ne la démoralise après tous les efforts qu'elle a déployés pour rattraper les cours qu'elle avait ratés. Bon, oh, c'était horrible ce cours. Je croyais qu'il allait jamais se terminer. C'est vrai que le prof n'a pas lésiné sur la difficulté. Ouais. C'est bien ce que je pensais. La voilà qui doute. Hey, t'en fais pas. Tu t'en es quand même bien sortie le reste de la journée. Elle me sourit à peine. Je lui prends la main et tente de trouver à nouveau les mots qu'il faut pour l'encourager. Il reste encore quelques jours pour réviser. Tu as déjà des bases solides, ça va le faire. Oui, mais quand même. Et si je me plante? Et si je tombe sur un sujet que je ne gère pas? On fera en sorte que tu maîtrises tous les sujets. À t'écouter, c'est tellement facile. Parce que je sais qu'il n'y a pas de raison pour que tu rates le bac. Tu me fais confiance? Ton visage s'éclaire enfin. Oui. Bien, je préfère ça. Qu'est-ce que tu voulais tout à l'heure, Jessica? Aucune idée. Apparemment, elle avait perdu son stylo. Je trouve ça d'ailleurs très étrange qu'elle vienne me voir pour me demander si je n'avais pas vu son stylo. Porte-bonheur. Je mets ma main dans ma poche à la recherche de mon téléphone. Oh non, c'est pas elle qui l'a pris quand même. Mince. Quoi? Je regarde dans mon sac, mais je ne le trouve pas. Je vais lui péter ça. J'ai perdu mon téléphone. En plus, dedans, il doit avoir tous les trucs de Jay et tout. De Jay. Tu ne l'as pas laissé dans la classe? Je ne sais pas. Attends-moi là. Je vais vite voir. Je cours en direction de notre classe en espérant qu'elle soit encore ouverte et que mon téléphone s'y trouve bien. J'arrive en trombe dans la classe. C'est ça que tu cherches? Jessica se tient seule dans la classe, mon téléphone à la main. Fort heureusement, il est verrouillé par un mot de passe assez complexe. Elle s'approche de moi et j'ai comme un très mauvais pressentiment. Il y a dans son regard quelque chose de dangereux, de malsain. Ce n'est plus comme quand elle me prenait pour un geek sans défense dont elle pouvait se moquer à loisir. Elle va pas faire ça quand même. Oh non. N'ayant aucunement l'intention de me rendre mon bien, elle me nargue en jouant avec. Alors, comment ça? C'est sérieux avec Leïla? Vous êtes vraiment ensemble? Ça m'en a tout l'air. En quoi cela te regarde? Qu'est-ce qu'elle a bien pu voir en toi que je n'ai pas vu? Enzo prétend que c'est ton argent qui l'attire, mais je suis pas stupide. Cette idiote est trop honnête pour penser à ce genre de choses. Elle continue à s'approcher de moi et s'immisce dans mon espace provocatrice. Je sais ce qu'elle va faire, les gens, mais je suis pas sûre. Ensuite, elle commence à me scruter de la tête aux pieds, vulgairement. C'est vrai qu'on dirait que tu es plutôt bien bâti. Ouais, c'est bon, c'est clair maintenant. Elle essaye de le draguer, de le provoquer. Enfin, et quand Leïla elle va arriver, Leïla elle va pas être contente. Je pense que c'est ça ce qu'elle veut en fait, Jessica. Qu'est-ce que tu veux, Jessica? Moi? Ces faux airs innocents m'insupportent à plus au point. Au premier abord, c'est une fille plutôt jolie qui fait tourner la tête de bien des mecs. Mais dès que je la regarde plus de 2 secondes, elle me donne la nausée. Je recule pour restaurer un espace convenable entre nous deux. Mais quand je fais un pas en arrière, elle en fait 2. Je me retrouve donc dos au mur. Je veux juste m'amuser un petit peu. Prends du bon temps.
Si Layla est si amoureuse de toi, c'est que tu dois bien avoir des talents cachés. Je crois que je vais vomir. Sois un peu indulgent avec moi. Tu dis ça maintenant, mais tu verras que tu changeras vite d'avis. Sans que je m'y attende, elle se plaque contre moi. Je le savais, putain. J'en ai la chair de poule et lui attrape les poignets alors qu'elle essaye de me toucher le visage. Henri ? Oh non. Merde. Je me tourne et dans l'encadrement de la porte de la classe, je vois Layla horrifiée, avant qu'elle ne s'en aille en courant dans le couloir. Je repousse violemment Jessica et lui arrache mon téléphone des mains. Layla ! Elle fait chier. C'est pour ça que j'ai fait un rire comme ça. Eh bien quoi ? Tu ne la rattrapes pas pour lui dire non, c'est pas ce que tu crois. Cette fois-ci, c'est moi qui m'approche d'elle, fou de rage. Défonce-la ! Je la prends au dépourvu quand je la tire par le bras pour la plaquer contre le mur, inversant nos positions. Je suis tout près d'elle, mon visage déformé par la colère. Elle ne se laisse pas impressionner et me nargue une nouvelle fois. Si tu crois que ton petit numéro va me faire peur... De mon poing, je donne un coup dans le mur, à 2 mètres de ses oreilles, et la fait taire. Je te préviens, ne t'approche plus de moi, ni de Layla, ni d'aucun autre ami de moi. Attends, je refais. Je te préviens, ne t'approche plus de moi, ni de Layla, ni d'aucun autre de mes amis. Sinon, je t'assure que d'une manière ou d'une autre, tu vas le regretter. Ton comportement de gamine et cervelée me donne la nausée. Tu es vide d'intelligence. Grandis un peu. Sur ces mots, je la laisse et sors dans la classe de 1 courant. Connasse. J'espère pouvoir rattraper Layla. Parce qu'en fait, j'arrive plus à savoir dire les phrases et tout, tellement ça passe hyper vite. Du coup, j'arrive vraiment plus. J'espère que ça vous plaît quand même. N'hésitez pas à mettre un like, voilà, si cette vidéo vous aura plu. À dire dans les commentaires, Angèle ne sait pas lire. Hashtag Angèle ne sait pas lire. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner, activer la cloche, c'est très important pour les notifications. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Bye bye.